je vais faire coquette. D'accord, moi je vais me coucher. Allez, moi j'ai terminé. Moi je vais me coucher. D'abord, je vais débarrasser la table. Je m'installe dans un coin. Je mets un fauteuil ici, un fauteuil ici. Océane! Ah oui, quoi? Salut les amis! Coucou les amis, on espère que vous pétez la forme parce que nous ça va très 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 bien! D'ailleurs, je vois que tu vas bien, tu joues à quoi? My Little Pony! Ah, My Little Pony! Ah, bah ça tombe bien, tu sais pourquoi? Non! Non, tu sais pas pourquoi? Moi je sais que tu aimes bien les My Little Pony! Oui, j'adore ça! Et j'ai une petite surprise pour toi! C'est quoi? Est-ce que tu sais que Hasbro a sorti une nouvelle collection de My Little Pony? Ah oui! C'est en fait, je ne sais pas forcément ce que c'est comme série, mais je sais déjà qu'il y a de la nourriture avec. C'est ça, donc en fait ce sont les Cutie Crew. En fait, ce sont les versions cafétéria. Ouais. Donc j'ai 4 boîtes pour toi. Est-ce que tu les veux? Oui. Oui, je te les donne. Alors attention, ils sont là. J'ai poussé ma maison. Voici ma chérie. Ouais, merci maman. Alors comme je te le disais, voici la toute nouvelle collection de My Little Pony. Est-ce que tu me montres un peu une boîte pour voir, pour te montrer un petit copain? Oui. Alors fais voir. Regardez. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc voici les Cutie Mark Crew. Donc en fait c'est une version cafétéria. Ce sont des My Little Pony. Alors ils peuvent exister sous plusieurs formes. Ils peuvent exister en forme poney, en forme Extra Girl, donc en version humaine, et en version avec la queue de poisson sirène. Et oui, donc il y en a 24 à collectionner et on a 4 boîtes à ouvrir. Alors j'espère qu'on n'aura pas de double. Et puis on remercie aussi Hasbro de nous les avoir envoyés. Donc on y va, on les ouvre ou on les ouvre pas? On les ouvre. Allez, c'est parti pour le numéro 1. Alors on n'en a jamais ouvert encore sur la chaîne. Donc je sais pas comment ça s'ouvre. Donc on sait pas comment ça s'ouvre, tout à fait. Donc on y va. Ah ah, c'est compliqué. Il n'y a pas une ouverture. Non. Ah. Et un petit peu aider Océane à enlever les plastiques autour parce qu'ils étaient très durs à enlever. Donc on y va avec le premier. Et là c'est un peu plus facile à ouvrir. Alors. Alors c'est comme ça déjà. Ah c'est trop chouette. Ah c'est cool. Derrière c'est écrit My Little Pony. Ah, elles sont belles les boîtes. Et là on ouvre. Ok. Ah, je croyais qu'il y avait le personnage qui est dedans. Ah, apparemment ça tient un stand. Waouh, c'est cool. C'est super cool. En fait il y a un petit décor à l'intérieur. Ok, donc on y va. Découverte. Alors, du My Little Pony. Alors peut-être qu'il y a toute la collection. Voilà, ça c'est toute la collection. Alors on va voir s'il y a toute la collection. Pendant ce temps je vais l'ouvrir. Alors, voici les 24 à collectionner. Donc voilà, ils sont tous là. Voilà, et il y a même des mystères à l'intérieur. Il y a 3 mystères au total. Donc on y va. Alors, qu'est-ce que tu as en premier? Attends, d'abord, il faut que je sorte autre chose. Regarde, vous allez voir. Oh, elle est trop belle. C'est qui ça? C'est Pinkie Pie. Oui. Pinkie Pie en version Equestria Girl. Fais voir ma louloute. Oh, elle est trop belle avec son petit burger. Oh, fais voir. Waouh. Regardez les amis, donc là nous avons Pinkie Pie en version humaine avec son petit hamburger. C'est un petit socle pour la mettre à l'intérieur et pour la faire tenir debout. Et on a un petit cœur pour la faire tenir. Voilà. Et regardez le fond d'écran. Oh, il est trop beau. Alors, je vais mieux montrer aux copains parce qu'on ne voit pas très bien. Et voici sa petite maisonnette avec le petit hamburger et les frites derrière. Ah, oh, c'est trop cute. Ah, super. Alors, regarde un peu au sein toute la collection qu'il y a. Et d'ailleurs, derrière, on voit le personnage qu'Océane a eu. Donc, ça spoil un peu, donc il ne faut pas regarder. Et là, voici toute la collection. Donc, toi, tu as celui-ci. Alors, lequel est-ce que tu aimerais avoir? Alors, moi, je dis que j'aimerais bien... La licorne comme ça dans le pot de fleurs.
La licorne dans le pot de fleurs, alors celui-ci fait partie... C'est, regardez, en rare. Hein. Oui, c'est elle en fait, regardez, c'est elle que je veux. En fait, c'est Rarity en version pot de fleurs, d'accord. Donc voilà, donc Océane, elle aimerait bien avoir celle-ci. Et moi, j'aimerais bien avoir... Et moi, je dis Spike, il est ici avec son petit hot dog. Le petit Spike, il est là. Regarde, il y a même Spike. Alors, on y va, on ouvre le deuxième. Oui. Alors, Océane a dit Rarity en version... En version pot de fleurs. Pot de fleurs. Et moi, Spike avec son petit hot dog. Alors, est-ce qu'on y va, pronostic son J'ai rien regardé. Non, t'as rien regardé. Donc, on y va. Et là, on a... Ok. Ça, le petit flyer. Je regarde pas le flyer. On le met de côté, donne-moi. Ah bah, il est là. Ah, c'est un truc. C'est elle, à mon avis. À ton avis, c'est Rainbow Dash? Parce que regardez, il y a un arc-en-ciel derrière. Ah oui, peut-être, peut-être. Ah, Rainbow Dash, elle est jolie aussi, hein. Ouais, Rainbow Dash en version popcorn. Ouais. Wow. Regardez la couleur de ta robe. Ah oui. Trop chouette. Tu vois un peu à quoi elle ressemble? Yeah. Wow, elle est trop belle. Et voici Rainbow Dash en version, mais pareil, Equestrian Girl, donc en version fille, avec son petit pot de popcorn et son petit socle en forme de cœur. Voilà, mais à l'intérieur, c'est trop joli. Franchement, j'adore cette collection. Regardez le décor. Il est trop beau, le décor. Alors, c'est une fête foraine. Voilà, c'est une fête foraine avec un petit pot de pop-corn et puis une petite boisson. C'est trop, trop choupinou. J'adore. Franchement, j'adore cette série. Vraiment trop belle. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que je trouve que c'est une série qui est pas mal réussie. Hein. J'aimais bien ceux avec les glitters, etc. Mais ceux-ci sont vraiment très, très originaux. Je sais pas ce que tu en penses, Lou. Tu les aimes bien ou pas? Oui. Alors, moi, je voudrais elle avec le sandwich, celle avec... Alors, toi, tu changes, moi, je dis toujours Spike. Et toi, tu dis, donc, je crois que c'est Pinkie Pie, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe pas. Donc, Pinkie Pie, je non, crois. Non, Pinkie Pie, on l'a déjà eu. Un sandwich club. On va voir si on a, donc, soit tu as dit, toi, le version hot dog. Non, pas hot dog. La version, pardon, sandwich club. Avec, je crois, Pinkie Pie, il me semble. Ou Apple... Pinkie Pie. Pinkie Pie, hein, je crois. Oui. Non, Apple Pie. Apple Pie, pardon. Apple Pie. Et moi, j'ai dit Spike, mais il va être très difficile à avoir Spike parce qu'il n'est pas en version, il existe ni en version... sirène, ni en version Equestrian Girl. En Equestrian Girl, normalement, dans le dessin animé, je crois qu'il est en chien, c'est ça? Spike est en chien dans Equestrian Girl, hein. Ouais. Et normalement, c'est un dragon, voilà. Donc là, il sera en version dragon, je crois. Et là, voici donc ce qu'elle a eu à l'intérieur. Donc, c'est un joli petit... comme un carrosse. Voilà, on dirait le carrosse de Cendrillon, c'est marrant. Avec des tartes aux pommes, je crois. Ah, peut-être que tu as de la chance et qu'il y a Apple Pie ou quelqu'un comme ça. Attention, attention, attention. Je l'ai en sirène. Waouh, elle est trop, trop belle. Trop belle. Ouais, je l'ai en sirène. Et voici pour Océane, Applejack en version, en fait, sirène. Elle est trop, trop belle. Voilà, elle est là. Elle est vraiment trop belle avec sa petite tarte. Donc, on la met dedans, à plat, et elle va rejoindre les autres. Et voici le petit flyer qui l'accompagnait avec son nom dessus. On passe à la quatrième, la dernière. Alors, est-ce que tu veux toujours... celle que j'avais dit, non, je change. Je voudrais celle avec le pot de fleurs. Alors, Rarity en pot de fleurs. Ah non, elle. Regardez. Elle en item. En fait, c'est, regardez, elle, son bol, il est trop beau à elle. Alors, c'est Rainbow Dash. Elle, Rainbow Dash, mais je crois que c'est une rare. Dans un bol. Ok, donc Rainbow Dash en version sirène. En fait, je vais avoir Rainbow Dash, à mon avis. Donc on va voir. Attention, attention. Ah non, pas Rainbow Dash. Ah non. C'est qui? Applejack. Applejack. Encore? Mais en version poney aussi?
Ça, c'est en version humaine. En version, et qu'est-ce qu'elle girl cool. Fais voir ma louloute. Elle est dans une pomme. Voici la petite Applejack avec ses petites chaussures. Elle est trop belle, son petit socle en cœur. Trop belle. Et sa pomme, oh, franchement, je trouve trop bien. Et on la met à l'intérieur. Hop là, et là, elle va aller rejoindre ses copines. Voici le décor. Donc, il est super beau. On voit un petit champ avec des pommiers et trop trop beau, trop beau. Et bien sûr, son petit flyer avec son petit nom dessus. Et vous avez vu les amis, ça s'empile. Ah oui, ça s'empile, c'est cool pour pouvoir les ranger. Oh. Ah, oh, elles sont ouvertes. Ah ouais, ça s'empile, carrément, c'est trop bien. Et puis comme ça, bah, ça gagne de la place parce que les petits poneys, on commence à en avoir de partout, hein. Oui, ils se cachent dans la maison. Ils se cachent dans leur maison. Donc voilà pour cette série en fait des My Little Pony, une version assez spéciale, version cafétéria. Une version vraiment spéciale et vraiment trop belle. Est-ce qu'on fait un petit récap de ce qu'on a eu? Ouais. Ouais, allez, c'est parti. Oui, nous avons Apple Crew avec sa petite tartelette en version sirène. Ici, c'est Apple Crew en version humaine avec sa petite pomme, son petit décor. Ici, nous avons Pinkie Pie en version humaine avec son petit hamburger et hamburger frites dans son décor. Et en dernier, nous avons Wendo Bash en version humaine avec son popcorn à la fête foraine dans son décor. Ma chérie, est-ce que tu es contente de tes nouvelles petites figurines? Oui! Franchement, elles sont trop kawaii, elles sont trop belles. Alors, je sais pas les amis, si vous avez une préférée, dites-nous-le dans les commentaires. Et toi, Océane, quelle est ta préférée? Wendo Dash et Rainbow Dash. Elle. Non, elle. En fait, Rainbow Dash version popcorn, ben, c'est aussi ma préférée, j'aime bien. Elle est trop belle avec son popcorn. Sur tout moi, j'adore Rainbow Dash, c'est pas grave. Elle est super belle. Donc, dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà vu cette série, si vous avez déjà ouvert. Je sais que ben, c'était déjà sorti aux États-Unis, ça arrive en France. Donc, franchement, elle est trop belle. En plus, super parce que Océane, t'avais pas de version en fait My Little Pony en version quoi? En version sirène humaine. Voilà, donc en fait, tu n'avais que des poneys, la version originale. Donc, dites-nous tout dans les commentaires si vraiment quel est votre préféré. Si ça vous a plu, nous, ben, ça nous a super plu. Ben, même si c'est pas pour moi, c'est pour Océane, mais moi, ça m'a super plu. Franchement, j'adore ces petites figurines. Si jamais, franchement, Océane, si j'avais 6 ans, je crois que je ferais la collection. Et toi, tu veux continuer ou pas? Ouais. Bon, merci encore à Hasbro d'avoir pensé encore une fois à nous. Merci vraiment, Hasbro. On va vous laisser, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et on va tomber dans la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao ciao les amis. Ciao ciao bisous. Les amis, bisous.